Alors, Emeline, tu t'es trouvé des petits copains. Tu penses vraiment pouvoir m'arrêter avec ta troupe de débiles? C'est de la folie, réfléchissez, il y a sûrement une autre solution. Non, j'en ai marre de tes jérémiades. Vous ne pouvez rien contre moi. Vous êtes des nazes. C'est ce qu'on va voir, espèce de psychiatropathe. Non, moi, de quel côté? Surprise, enculé. Alors, Emeline, tu n'as donc rien appris sans moi. Oh, saloperie! Pas mieux, vite! Bonne nuit, Emeline. Allez, Tocard, Filou, Grolin, Canaillou. Tenez bon, monsieur Grognou. Je suis là, je suis désolé. Vite, le laser, mon Duke, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ma jambe, je la sens plus. Fais votre arme, elle est en bois. Et alors? Vite, vite, il fait des incantations, il essaye de me transformer en écureuil. Mais non, je disais que votre arme était en bois. Vite, il continue. Mon Duke, attention derrière. Oh non. Emeline, vite, le laser. Mais je peux pas bouger. Fermez pas Zista, ça dévira le rayon. Mais tu vas la fermer, espèce de petit branleur. Mais je peux couvrir les portes, je peux pas fermer les Zista. Vous êtes la seule à pouvoir le faire, allez, c'est qu'une porte transparente. Faites un effort. Mais j'y arriverai jamais. Ah, faites ce que je vous dis. Capitaine. Emeline, je vais pouvoir dormir. Oui, capitaine, pour l'éternité. Enfin. Approche-toi un peu. Je ne t'ai pas loupé, hein. Monsieur Grognouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Monsieur Grognouf est mort? Il s'est sacrifié pour nous, Braddock.
bien son genre de faire son malin. Tu fais moins l'intéressant maintenant, hein? Ça va aller, lui? Je sais pas, je le connais pas bien. Et vous, ça va? Bah, lui, il a eu ce qu'il voulait. Par contre, moi, je vaux plus grand-chose en solo. C'est pas vrai du tout, ça. Il y a 5 minutes, vous pensiez incapable d'ouvrir autre chose qu'une porte, et là, vous avez sauvé nos vies. La lune est toujours là. Non, il faut vraiment prendre confiance en vous. Hein. Tout ce qui s'est passé, c'était que le début de plein d'autres grandes aventures. Hein. Sans dodo, ça n'a aucun sens. Mais si! Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était juste... Emeline ouvre porte, les origines. Ah ouais... Peut-être bien. Je dois m'en aller vers d'autres horizons. Merci. Bon Dieu que Braddock. Braddock, vous avez vu ?